Du programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle est née une nouvelle stratégie pour renforcer les actions dans ce sens. Il s'agit du projet d'accompagnement à la sécurité alimentaire des populations vulnérables, fruit d'une subvention conjuguée entre l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, et l'Union européenne. Cette action de l'ANADER, que l'Union européenne finance avec un montant de 157 millions d'euros, et dont l'objectif principal est de contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition chronique au Tchad. Les provinces du Logone occidental, de la Tandilé, du Guéra, du Wadaï et du Wadi Fira sont les cibles de ces projets dont la mise en œuvre pourrait changer la donne et garantir la sécurité alimentaire. Le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle s'inscrit dans le cadre du programme indicatif national signé avec l'Union européenne pour la période 2014-2020 et du PND 2017-2021. Cette initiative de l'ANADER est appréciée à sa juste valeur du fait de sa zone d'intervention de plus en plus affectée par la malnutrition. Il touche directement près de 4 754 603 bénéficiaires directs. En priorité, les femmes et les jeunes dans les 5 provinces de la zone du projet. Cette action, qui est une première expérience pour l'ANADER et l'Union européenne, comporte des défis importants dont la mise en œuvre implique l'investissement de toutes les parties prenantes.